J'ai ce regard débile parce que je suis super content. Bonjour et bienvenue à tous dans cette ouverture de boosters, puisqu'on va ouvrir des boosters. Je vous laisse juste regarder, ça vous dit quelque chose. C'est les boosters Dragon Blanc, et malheureusement, ils ne sont pas en français. Non, ils sont en coréen, parce que j'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui les vend en coréen, et en français, écoute, la peau du cul, d'en avoir plusieurs en fait. Et dedans, bah, c'est les premières cartes qui sont sorties, ça fait partie des premiers boosters. Et c'est le booster que je recherchais à mort, parce que je souhaite obtenir Exodia. Donc, même si c'est en coréen, ben, on va voir ce qu'on va pouvoir obtenir dedans. Donc, on perd pas de temps, et on va les ouvrir. Alors, j'en ai 7 en tout. Donc, c'est parti pour saut 7. Non, je plaisante. Alors, est-ce qu'ils ont une ouverture? Je vois que là, ils ont une petite encoche, ici, pour pouvoir les ouvrir comme ça. Du coup, on va en ouvrir un quand même incorrectement. Enfin, incorrectement. Un que je vais essayer de pouvoir garder derrière. Alors, on m'a confirmé que c'était pas des fausses, du coup, elles vont pouvoir être utilisées. Ah, putain, mais le paquet, en fait, est plus grand. Le packaging est un peu plus grand. Du coup, je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir comme ça, sans l'abîmer. Oh, putain, la vache. Par contre, je sais pas ce qu'ils utilisent comme colle, mais... C'est pas de la colle ultra, ultra douce, hein. Système D. On les a tous ouverts. Du coup, c'est parti pour l'ouverture. Alors, on commence avec... Je ne connais pas cette carte en française. Je sais plus c'est quoi son nom. Donc je pourrais pas... Il y a certaines cartes, je ne connais pas, donc je pourrais pas vous dire. Derrière, on a Étincelle. Donc quand on la joue, quand on perd 300 points de dommage. 200, pardon. Ah oui, putain. Je me rappelle même plus des noms, mais oui, effectivement. Ok, la carte équipement pour les démons, si je ne m'abuse. Et un monstre chelou. Qui s'appelle Monstre Terre. C'est bien parce qu'on voit à droite, on arrive encore à reconnaître. Là, c'est vent, là, c'est terre. Ok. Ok, ça marche. On va voir le deuxième booster. Pas de partie d'Exodia, malheureusement. J'espère que. Oh putain, celui-là, j'ai mal ouvert. J'espère que la suite va être un peu plus intéressante. Parce que bon, là, il n'y avait rien de ouf. Hein. Et sur la suite, nous avons. Ah, c'est l'oiseau du tonnerre, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Un monstre haut, je parle, je sais plus son... Putain, il y en a plein, j'en rappelle plus leur nom, en fait. Livre de sorcier, livre de magie, je sais plus. Livre de sort, truc pour les magiciens, carte équipement. Et petit dragon, celui-là, je me rappelle. Et ah, ok, une super coréenne. Tout à l'heure, je n'avais pas dans l'autre booster de super. Non, j'ai pas eu de super dans l'autre booster. Du coup, première super, c'est le machin de l'harpe. Je sais plus son nom non plus. Ensuite... T'as toujours pas de monstre Exodia. Lézard, je sais plus. Lézard cuirassé. Non, c'est pas lézard cuirassé, c'est celui-là. Je sais plus son nom. Petit ange. Ok. Super. Ok, un nouveau livre de sort. Je sais plus quoi. Je sais plus son nom. Manipulateur de flammes. Et. Ah, je sais plus non plus le nom de celle-ci. Et c'est pareil, c'est une super. Je sais plus du tout son nom à celle-ci. C'est un monstre fusion, mais je sais plus. Oui, c'est un monstre fusion, mais je sais plus son nom. Ensuite, c'est pas le requin épineux. J'ai l'air d'un con, je sais plus le nom de ces cartes. En même temps, c'est pas écrit en français, donc c'est pas facile. Alors celle-là, je l'avais jamais vue avant. Je connaissais pas du tout celle-ci. Ah, la potion qui permet de regagner 500 points de vie, c'est ça, 500, ouais. Ou 600. Non, 500. Le squelette, je sais plus comment il s'appelle. En plus, il a été réédité dans les speed duels, celui-ci. Et stop défense. Ok, moi du coup 3 boosters. Combien de pourcentage de chance d'avoir une carte Exodia? 0. Le monstre insecte, je sais plus comment. Insector. Petit insecte, je sais plus son nom à celui-ci. Étincelle à nouveau. Petit ange à nouveau. Ah, l'armure insecte, ok. Et trou noir en super rare. Ok, oh, ça c'est sympa le petit trou noir en super rare en coréen. Ah, monstre démon, pareil, je sais plus son nom, il était dans le deck de Yugi tout au début, celui-ci. La carte équipement pour les dragons. Celle-ci, la carte équipement pour dinosaures, je crois, mais je suis pas sûr, ou bête, je me rappelle plus du tout de celle-ci. Cimetière de mammouth. Et, oh, une carte fusion, mais alors là, pareil, je sais plus. Allez, en super, mais je sais plus c'est quoi son nom à cette carte-là. Bon, ma dernier booster, j'aimerais au moins avoir la tête d'Exodia, ça serait vraiment sympa. Ça serait vraiment cool. Ah merde, j'ai mal ouvert celle-là, celui-ci aussi. En même temps, celui-là, j'essaie de l'ouvrir pour pas l'abîmer. Dans le stade des cours, je crois que je l'ai abîmé plus.
que si j'avais pas fait attention. Non. Ça passe ou ça casse? J'espère que ça casse pas. Et ça passe pas. Allez, passe. C'est là, en plus, ils sont un peu élastiques. Yes, ça passe. Ok. C'est ici qu'on va savoir. Oh, j'ai pas vu Peter qui a les ciseaux. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est ici qu'on va savoir si vous voulez avoir une petite partie d'Exodia. Alors, ce monstre-là, pareil, j'avais jamais vu avant. Waouh! Je ne connais pas. On dirait la reine d'automne, mais c'est peut-être avec un art tour différent. Parce que... Non, même pas. Elle a pas son texte de défense. Je connais pas cette carte non plus. Ok, Yami, si je dis pas de bêtises, la carte terrain ténèbre. Non, même pas, c'est une carte. Aussi, c'est la carte terrain ténèbre. Le cyclope. Je sais plus son nom, le cyclope. Et derrière, c'est une carte fusion. Et bah, c'est celle qu'on a eu tout à l'heure. Non, on a même pas une seule partie d'Exodia. Je suis dégoûté. J'aurais tellement voulu avoir. Bon, après, c'est des cartes qui sont assez sympathiques. Bien sûr, mais je suis tellement dégoûté que ce soit pas. Ah, je suis deg. J'ai pas une seule partie d'Exodia. Mais il y a des petites cartes sympathiques. Après, bon, c'est en coréen. Du coup, ça m'en fait deux dés comme ça. Ok, le trou noir, par contre, magnifique en super. Bien sympathique. Et effectivement, ce ne sont pas. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit des fausses. Après, j'en sais rien, dites-moi dans les commentaires, mais je crois pas que. Elles ont pas l'air d'être des fausses. Au pire, si elles en sont, c'est pas grave, c'est le petit kiff du jour. Non, elles ont le bon numéro. L ou B. Non. Bah écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine ouverture, parce qu'il y a des choses qui vont arriver très prochainement, en novembre-décembre. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon appétit, et surtout, portez-vous bien.